Bon ben voilà, vous allez regarder une vidéo là, alors elle est sans doute en plusieurs épisodes là, parce que j'ai pas mal filmé là, et donc il y aura sans doute plusieurs épisodes, donc ça sera à suivre. Puis je voulais aussi vous parler, j'ai un collègue là qui bah, j'ai travaillé avec lui là chez DFS, on a roulé en double, il est venu travailler à TGB, puis maintenant il a complètement changé de travail quoi. Mais il lance une chaîne YouTube là où lui il fait plus des randonnées au Québec là, alors autour de Montréal et tout ça, puis il fait des belles vidéos de paysages. Alors je sais que pas mal d'entre vous aiment bien avoir des beaux paysages. Donc bah, je vais vous mettre le lien de sa chaîne en description. Là, il s'appelle Frédéric. Et puis bah, vous irez voir un peu les vidéos qu'il fait. Puis, si vous voulez vous abonner. Et puis en même temps, bah, vous me raconterez si jamais il met pas cette vidéo. Comme ça, je pourrais le disputer. Lui dirai, il va falloir que tu tournes des vidéos là. Puis voilà quoi. Mais bon, j'ai déjà regardé quelques-unes de ses vidéos là. Elles sont plutôt sympas là. Donc bah, je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Puis bah, j'espère que vous irez vous abonner. Allez, bon visionnage là. Bye bye. Salut tout le monde. Je démarre une petite vidéo. Donc là, je suis à Combeur là et je raccroche une remorque pour retourner entre Nashville et Memphis là. Comme d'hab, hein, ils m'ont demandé si j'étais intéressé de faire un deuxième tour là. Donc j'ai dit oui. Bah, là j'ai un collègue là, il est en train de préparer un train routier là. Donc là, il est en train de reculer avec le petit dolly là. Il va raccrocher une remorque qui est ici là. Il va, à mon avis, il va s'amuser parce que reculer comme ça avec un petit dolly, c'est pas évident. Il va devoir s'y reprendre en plusieurs fois. Bah d'habitude, les gars qui font ça, ils prennent d'abord le dolly avec le tracteur, ils vont le mettre en place sous la remorque. Mais lui, bon, apparemment, il a l'air d'être bon là-dedans là, parce que il fait ça sans décrocher là. Honnêtement, ça doit pas être évident. Il va y arriver en plus là. J'aime autant te dire que il est quand même pas mal fort. Hein. Enfin, bon, moi je vais finir de raccrocher ma remorque, j'ai des documents envoyés. Puis là, ben, il fait vraiment pas beau. Ben, il est plutôt fort hein, quand même, parce que là. Bon, ben, moi je suis là. Et puis, ben, je vais démarrer là, je vais finir de raccrocher. Il fait du vent, on a le drapeau canadien qui vole. Donc là, j'ai fini de raccrocher ma remorque et puis je m'en vais dans une ville qui s'appelle Humboldt. Ça se trouve entre Nashville et Memphis. Là. Donc là, ben, il me reste plus qu'à aller faire le plein à la Flying G, là, un peu plus loin. En même temps, je vais profiter, je vais prendre ma douche. Et puis, ben, on va descendre tranquillement. Bon, ben, du coup, lui, ben, il a fini son train routier. Là. Donc là, ben, il va aller se garer et puis... lui aussi, eh ben, il y a une ronde de sécurité à faire, mais du coup, ben, lui, c'est deux fois, quoi, puisqu'il doit faire la remorque et le tracteur, quoi. Bon voilà, je vais arriver au Flying J là. Donc je vais faire le plein, puis après je vais me garer, puis je vais aller prendre ma douche. Bon, on va faire le plein sous la pluie là. Je vais déjà ouvrir les réservoirs, et puis bon, je vais juste faire du gasoil parce que j'ai pas besoin d'AdiBlue. Alors ici, l'AdiBlue, il dit ça, le DEF, Diesel Exhaust Fluid. Et puis j'en ai fait là, donc j'en ai pas besoin là, je vais juste faire du gasoil là.
Alors, comme j'ai déjà expliqué dans des vidéos, là, j'ai deux cartes. La grise, là, c'est pour payer le gasoil, et la jaune, c'est ce qui me sert à accumuler des points et puis des douches. Alors là, je vais faire un plein. Dès l'instant que je dépasse 50 gallons, je gagne une douche. Et puis plus des points quoi, qui me servent. Les points, c'est un peu une sorte de... ça devient de l'argent, puis j'achète ce que je veux dans le truck stop. Quoi. Donc voilà, bah, donc je passe la carte dans la machine. Puis là, il va commencer à me demander un certain nombre de trucs. Là. Alors maintenant, il me demande de passer ma carte de points. Oh, désolé, il pleut, là, ça salit tout. Là, je vais passer ma carte de points et à partir de là, il va me poser des questions. Alors là, bah, unit, c'est le camion, hein, 23,50. Après, il va me demander si je veux marquer les kilomètres. Bah non, m'en fous. Là, il me demande l'immatriculation de la remorque, si jamais j'avais un frigo pour marquer le numéro de la remorque. Là, il me demande si j'ai une référence, j'ai pas de référence. Là, normalement, il va me demander, alors je fais le plein du tracteur, oui. Et est-ce que je veux du DEF, là, de la Deep Blue? Bah non, donc je passe. Et voilà, maintenant, je dois prendre le pistolet. Et hop, bah après c'est comme chez nous, hein. On le met dans le réservoir et moi je dois déclencher en plus un petit truc ici. C'est parti. Alors il faut surtout faire attention parce que si jamais sans faire exprès je viendrais à appuyer là-dessus, ça veut dire que j'ai fini de faire le plein. Si jamais j'appuyais dessus sans faire exprès que j'ai pas fini, bah c'est foutu. Il faut que j'attende 2 heures pour pouvoir recommencer la manipulation. Bon allez, j'allais me chercher un petit bonnet là parce que il pleut, c'est pas encore l'été, il fait du vent et j'ai la tête frigorifiée. A tout à l'heure. Bon voilà, j'ai fini mon plein là. Oh là là, mais ça caille et il fait froid et tout. Maintenant, bah, je vais aller me garer, puis je vais aller prendre une douche. Bon voilà, bon allez, je vous mets là devant, le temps que je vais me garer. Je vais essayer de voir là-bas, je vois qu'il y a des places pas trop loin là, parce que j'en ai marre d'être tout mouillé, puis d'avoir froid à ma tête. Quand je pense qu'hier, là, hier j'ai mangé, ou j'ai chargé et mangé en Indiana, là, j'avais 31 degrés. Et là, ce matin, il fait 6 degrés, il fait du vent. Ah, c'est pas agréable du tout. Je sais bien que les belles plantes ont besoin d'être arrosées, mais c'est bon, j'ai assez grandi. Hein. Alors là, quand il y a du monde, ben, on fait la queue ici, là, pour attendre qu'il y ait une pompe qui se libère. Ça, ben, ça évite de tout bloquer le parking. Enfin, normalement, hein, c'est ce qu'on doit faire. Et j'ai vu qu'il y a de la place de l'autre côté là. J'essaie d'aller me garer là-bas. Parce que j'ai besoin de faire du sport, mais on m'a pas dit quand je dois commencer. Alors je voudrais pas non plus en faire trop. Alors ben je vais me mettre à côté de lui là-bas là. Moi je vais me mettre à côté de lui, comme ça j'ai pas loin à aller pour ma douche. Bon alors j'ai déjà fait voir un autre d'autres vidéos là pour les douches là. Avec, ben du coup, moi dans mon téléphone, là, j'ai une application. Alors, ben c'est cette application ici. Donc, je clique dessus. Alors là, il y a le petit logo. Alors là, ils me disent qu'il y a une douche de libre. Donc, je vais me dépêcher de la réserver. Alors, l'avantage avec l'application, c'est que, imaginons s'il y avait quelqu'un d'autre dans le parking qui veut prendre sa douche, mais qui n'a pas la carte. Et ben, lui, le temps qu'il garde son camion, qu'il vient se garer et tout ça, là, ben moi, du fait que je l'ai réservé, ben je l'ai avant lui, quoi. C'est ça l'avantage d'avoir l'application dans le camion. Et là, ben voilà, ma douche, elle est prête. Je dois aller à l'intérieur, donc je récupère la douche numéro 6 avec le code, là, pour rentrer dans la douche. Je vous le fais pas voir trop longtemps, le code, hein. Je viens pas que vous veniez me voir dans la douche pendant que je me lave. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, la douche est terminée. Je suis tout beau, tout propre. Donc, ben maintenant, c'est parti pour les US. Bon bah il pleut toujours, hein, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure là. Donc bah moi je vais démarrer puis à tout à l'heure.
Bon, voilà, je suis arrêté pour la nuit là, puis j'aime autant vous dire, j'ai vraiment du bol parce que arrivé à cette heure-là et j'ai encore réussi à trouver une place, et en plus, pas une place, vraiment une place bien placée. Alors là, il fait un orage de fou là, mais je suis trop content là. Bon, il me restait plus grand-chose de conduite là, il me restait 22 minutes et je suis vraiment content parce que quand je suis rentré dans le parking là, je voyais tous les camions garés déjà sur la bande d'arrêt d'urgence à l'entrée du parking et tout. J'ai dit bon bah je vais prendre la chance, je vais aller voir et puis bah j'ai vraiment bien fait là, j'ai trouvé une place tranquille. Donc là je suis juste à l'entrée du Tennessee là, je viens de sortir du Kentucky, le parking ici est juste à la frontière du Tennessee là. Puis bah il me reste 300 km jusqu'à chez mon client et j'ai rendez-vous demain à 13h15, c'est-à-dire 14h15 pour le Québec. Donc je suis pas pressé là, même si je pars à 8h demain matin à 8, 9, 10, 11, à 11h je peux être chez le client. Bon là je suis sorti du camion, alors il pleut. Bon alors moi j'ai du bol parce que moi je suis garé là. Et bah, les toilettes c'est juste là-bas là. Alors souvent c'est marrant parce que bon là il fait nuit hein, mais c'est marrant parce qu'alors là il y a comme une petite maison. Mais en fin de compte la maison là c'est là où ils sont basés toutes les machines à café. C'est à part de la station-service. Voilà, là il y a toutes les machines, les boissons. Bon, la machine à café, apparemment. Attention, le café est très chaud, il est marqué. Donc, bah, vous avez, comme d'habitude, les couvercles là, pour mettre sur les gobelets. Voilà. Donc, ça, c'est la partie où il y a les machines à café. Et après, bah, pour aller aux toilettes, bah, ça se situe en face. Alors, ça fait une petite maison. C'est marrant, là. Ah, bon, on voit mon camion là-bas, on voit les éclairs aussi. Voilà. Je suis bien au Tennessee. Welcome to the Tennessee. Bon, je vais vous faire voir un peu là-dedans. Alors, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, là, souvent à l'entrée d'un état, là, il y a souvent, ils appellent ça un welcome center. C'est un peu un endroit où on va trouver toute la documentation sur ce qu'il y a à faire au Tennessee. C'est un peu genre une petite office de tourisme, quoi. C'est toujours assez bien décoré. Là, c'est. Comment il s'appelle lui? Ah, pourtant, j'ai un album de lui dans le camion. Là. À chaque fois, j'ai du mal à revenir sur son nom, mais si vous vous en rappelez, vous le mettrez sans doute. Voilà, c'est trop sympa comme petit endroit là. Là, il y a trois rocking chairs. Bon, il y a un faux feu à boule. Voilà, c'est l'entrée du Tennessee. Oh, bah tiens, il y a. Je sais pas si on va voir. Ils ont fait une espèce de petite reconstitution là. Puis là, bah, moi, si je veux, je peux me mettre dans le rocking chair tranquille. Donc c'est cool. Ah, puis là, je vais faire une petite rencontre avec Dolly Parton. C'est trop cool. Et ma copine. Ah, ça, c'est beau le truc là, c'est un drapeau. Puis du coup, bah, après l'eau, bah, c'est les toilettes. Donc bah, moi, je vais retourner dans mon camion et puis bah, je vais manger et puis me regarder un petit film sur mon iPad. Là. Have a good night. Bye bye. Donc bah, je retourne à mon camion, il est là-bas. Bah, c'est fou là, et il pleut plus. La pluie vient de s'arrêter. Puis il fait pas froid, hein. J'avais 18 degrés là quand je me suis arrêté. Bah, là, il fait noir, je sais pas si vous allez réussir à le voir là. Mais voilà, tous les camions là-bas, ils sont tous arrêtés sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors j'ai eu peur parce que dans la vidéo, vous avez vu tout à l'heure, là, il y avait des inondations à Saint-Louis, là. Et moi, la dernière fois, il y a eu des inondations, j'avais perdu, on ne le voit pas dans le noir, mais j'avais perdu les plastiques là, qu'ils mettent, là. Et j'ai dit, oh punaise, j'espère que je ne vais pas les avoir perdus, puis je suis content. Je ne les ai pas perdus. Puis du coup, j'ai eu une grosse pluie, là, ça a bien nettoyé mon camion. Oh là. Bon, ben moi, j'ai remonté dans mon camion, puis ben, à demain pour le départ.